C'est trop trop fun à jouer Zidane. Mais non. Il est trop... Ok. Trop... Oh ! Il est trop classe. Je vais le jouer en support en fait. Ah mais non, mais c'est le genre de skin que tu peux même pas recommencer en fait parce qu'il faudrait que t'achètes 2000$ de boîte. En vrai, je sais pas trop ce qu'il y a en face. Ah, une petite Zoé. Sur ma vie, si je all-in avant le niveau 3, j'alter 4. Prends Brand, mec. On va trop s'amuser si tu prends Brand. T'es pas drôle. T'es vraiment pas drôle. Là, on va moins s'amuser. Mais alors là, je vais pas du tout m'amuser même. À chaque fois, je fais l'erreur avec Zoé de all-in avant le niveau 3. Pourquoi c'est de la merde? Tout simplement parce que j'ai que Q et E. Et si t'as que Q et E et tu all-in, les autres en face, ils vont utiliser par exemple Heal et Ignite et Flash. Tu peux pas les récupérer parce que tu n'as pas le W. Du coup, je dois me calmer avant le niveau 3. 12 seconds later. Pas que je flash. Les gars, j'ai dit pas de all-in avant le niveau 3. Je suis niveau 1, premier sort, je all-in. Je me déteste, je me dégoûte. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Mais il est où le jungler? Ah bah. En même temps, il y a trop d'opportunités là. Hein. J'ai failli ignite parce que ça allait faire proc l'électrocute en fait. Et regardez, maintenant avec Zoé, tu peux aller là, et t'as des bons trucs en vrai. Bon, je pouvais pas attendre le niveau 3, excusez-moi. C'est impossible. Je vais jamais faire une game avant le niveau 3, mon gars. J'ai trop envie de jouer agressif, en fait, avec Zoé, là. Oh, j'ai 2 kills, mais c'est très bien, ça. En vrai, je pense qu'il y a moyen que Zoé support fonctionne juste grâce à ça, mais c'est incroyable. Parce que là, vous avez ça, ça, mais non. Ça. Alors, ici... Ça va jusqu'à là, le bubule, hein, sous la tour. Hein. Le seul problème, c'est que bah, tu joues avec un ADC que tu connais peut-être pas et qui va te prendre tes ballons, et ça, c'est frustrant. La laning phase avant le niveau 6 de Zoé est pas fou. Le niveau 1 à 3 est ok, mais le 4 à 6, je crois qu'il est vraiment pas fou en vrai. Non ! Non ! J'ai cru qu'elle allait le taper, du coup j'ai un petit peu pré-shot, putain. Putain, j'ai mal joué. Si j'ai récupéré le ballon, je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Mais attends, mais... Oh non! J'ai pris l'aggro de la tour avec le passif du W, d'accord. Bon, je m'attendais un petit peu qu'il soit là, le Jarvan. C'était un peu obvious, my bad. Mais là, j'avais trop envie de m'amuser, là. Là, c'était trop, trop bien. Target locked. Ok, bien joué. Eh bah GG les bros, putain on a bien géré en vrai hein. Moi fallait pas que j'ai trop peur. Le Jin il avait une assurance de fou, il est parti tout droit. J'ai pu placer mon Q sans aucun problème. On a le dragon, ça c'est cool. Vent, nice. En vrai, attends mais avec Zoé. Attends mais les mecs. Mais non. Quoi, j'ai raté ça? Ce chase de l'enfer, mon gars. Warwick the God, hein. Merci Warwick. C'est le méga bro, c'est je veux un chien plus tard qui ressemble à Warwick. Michel, voyons.
Waouh. Mais là, ta quatrième auto, mec. Faudrait que je parle à des mains Zoé, de ce qu'ils en pensent. Je pense vraiment que là, la botlane, elle est trop trop bien. Pour Zoé. Parce qu'en fait, avant Zoé, tu ne pouvais pas jouer sur le bot side parce que les murs étaient collés et tu pouvais pas l'utiliser. Là, tu as top side. Donc là, les murs de Zoé ici sont broken. Ici aussi, c'est insane. Mais alors là, c'est un délire. C'est un terrain de jeu de fou là pour Zoé. Mais je sais que c'est un champion un peu cancer et que les gens, ils aiment pas trop ça. Bah, tu t'es touché par une bulle, t'es mort. C'est pas... Je crois qu'ils ont vu mieux comme fun, comme jeu. Par contre, là, on va aller juste aller... J'ai compris. Non mais je peux tout faire en fait, y'a pas de problème. Faut juste du backup et je te fais tout, t'inquiète pas. Allez boum, ça dégage. Ah non. Wow. Mais non. Ouais, Zoé support, je pense que ça va être vraiment possible de fou là. Avant c'était un petit peu tricky parce que tu pouvais juste jouer topside et des bons joueurs et bah ils jouaient juste botside, du coup tu pouvais pas les toucher avec le E. Mais là il y a moyen de faire des trucs de fou. Activation élixir. Attention les gens, attention. Boum. c'est pas normal, c'est pas normal ce qui se passe. Ça fume bordel. Tu m'as saoulé. Arrête de prendre mes wards. Merci bro. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait à l'envers. Oh mon dieu, j'ai tout fait à l'envers. Oh, c'était le giga débile ce que j'ai fait. Yo, cette game elle est incroyable. J'aime trop ce jeu. En même temps, j'ai l'impression d'avoir un petit cheat code quoi. J'ai l'impression que j'ai fait un peu le code quand tu commences GTA et t'as le bazooka quoi. Avec munitions infinies. J'ai l'impression vraiment de tricher, il y a un problème genre. BOUM. Toi tu la fermes. Le mec giga toxique. Ah bah lui il a arrêté de jouer, d'accord, super. Mais non. J'ai envie de prendre le flash mais je vais crever, ouah. C'est bon. Oh, cette game trop bien. Warwick évidemment le giga bro. Et après, ça dépend de ton gameplay. Moi, je suis giga bourrin, donc je prends les runes les plus agressives possibles, genre électrocute et tout. Ouais.